Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On t'a voulu mettre dans tête ou dans brin nous, dans maillot matin, on son particularité. Amen. Dis-moi quand on l'a ou son particularité. Dis-le ça fort, dis-le ou son particularité. Son particularité, l'on connaît quand on sorti, comment en bailler, et qui ça, bon Dieu, fait le passé, mais prend. Il fait de où une référence. Moun ki pa vle wo kounye ap cheke ou ou son particularité. Amen l'église. Amen. On nous tourne regard nous vers la parole de Dieu toujours Matthieu chapitre 7 les versets 7 et 8 pour les besoins de la cause. Ou avez-je campé, ça prendra peut-être une seconde et deux pour la lecture de ces deux versets. Matthieu chapitre 7, le premier des évangiles d'une manière chronologique. Aussi bien le premier livre du Nouveau Testament, toujours d'une manière chronologique. M'appelez-vous parce que j'ai tellement besoin de temps. Ou je viens de me dire, Mathieu, moi, juste en bas dans Jude. Ou perdu longtemps. Suivons la lecture. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui frappe, celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est ici la parole de notre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Le temps pour nous saluer le berger auxiliaire de cette église. Je me dis berger auxiliaire parce que le berger par excellence n'est autre que Jésus-Christ. Et pasteur Amos, sa femme et ses enfants, aussi bien le corps diagonal, le corps des ouvriers et les autres pasteurs qui sont avec lui, sont salués, département de musique, musiciens, administration de l'église là, nous saluons. Nous voulons remercier pasteur Amos qui était kembe nous ici pendant 3 semaines. N'a pas déplacé demain matin pour nous couvrir une semaine de réveil. Parce que j'arrête ni à Port-au-Prince, pas un vol. Et puis, il y aurait les moins. Tu réfléchis sur la question pour la question de fatigue. Et parce que c'est juste California. Je vais faire expérience pour prendre 2 avions. Et pas trop. Ma California demain jusqu'à vendredi et puis vendredi m'a descendre Miami et m'a fait 2 semaines, une semaine qui a passé Clément et l'autre semaine je serai séparé pour nos amis, famille et puis je sais pas destination li nan men bon Dieu, n'a prié pour la bonne orientation et pour bon Dieu faire ça, nous pas faire bagaille par émotion et ni pas envie. Nous prions pour mon Dieu, ben nous, orientation. On va prier pour nous. Le temps aussi de remercier la famille Raymond Félix pour les séjours. C'était vraiment bien. Merci particulièrement à sa femme et aussi bien à ses Rémi et la petite fille de ses Raymond. Et merci aussi à chacun de vous. Merci pour vos appels, merci pour vos sourires, merci pour vos poignées de main. Et je n'ai pas dit visite parce qu'il n'y a personne qui est venu. Pas de problème. Bonne note est prise. Bonne note est prise. Et merci parce que tu es d'accord pour prêcher l'évangile. Et pas quoi que et tout ça me dit parce que normalement, la prédication n'est autre que un mélange. C'est un mélange divin et humain. Il y a la position divine et aussi ma position comme étant prédicateur. Même le bada prend ça m'douyo, comme Paul disait à l'église de Corinthe, prend ça bon Dieu douyo. C'est pour votre bien, c'est pour le bien de votre âme. Si m'pada gen chance tourner ici encore, parce que et la vie c'est ainsi. La vie c'est ainsi. Et m'palé avec un ami moi, m'a dit matin, et puis m'a dit soir, elle mourit pendant le travail comme policier. M'a dit matin pas la veille, il dit m'a travail et puis me dit pourquoi je suis pas la caillou parce que tant pas bon cette question de la police etc. Il dit non,
Et m'a gen moralité ap touche un corps sans pas travail pour lui. Et puis m'a dit toi yo relé m'yo dit m'li mouri. Et au capable comprendre que la vie c'est ainsi, c'est pour cela que j'aime tant cette déclaration marcher tout sauvé. Amen peut-être moins. M'da aimé revoir encore. Amen. Bon, et des monde qui t'a aimé revoir encore. Ou d'aimé mal passé. M'da aimé revoir encore. Et m'a bien nouvelle ou par pasteur Raymond, aussi bien par pasteur, votre pasteur et pasteur Amos. M'a bien nouvelle. Et priez pour nous, pour. Parce que moi, je vais me flâner en l'air, plus que me flâner sous la terre. Et cette histoire prend un avion, prend un avion. J'aime pas ça. Tous les regards est à la prédication, soyez de toute écoute à la voix du Seigneur. Nous t'ai tenté de faire une mise en contexte sur les trois lois de la prière. Les trois lois de la prière. C'est moi qui baptisé moi de prière, que ce soit en étude avec Pasteur Raymond chaque jeudi, que ce soit en prédication avec les prédicateurs choisis, triés par le comité de programmation de cette assemblée. Et le mois est taxé et sanctionné comme étant mois de la prière. Et nous te conduit comme sujet depuis dimanche les trois lois de la prière. Toi là, c'est qui ça? Mandé, deuxième. Chercher. Et nous te prenons le soin, nous te tentons dans toute variation que définition prière gagne, très très variée. Et nous avons suivi l'étude jeudi soir avec Pasteur Raymond, qui te poté environ 5 définitions clés du mot prier, qui est important, mais parmi ces définitions, et nous voulons l'église à Kimbe comme doctrine, la prière c'est une communion. Et ça, l'hypothèse nous dans une intimité spirituelle sans précédent avec notre Dieu. C'est une communion. Et quittez rapidement d'où ça, m'a d'abord l'échapper au tandem. Tandem et prendre le kembel. De vous pas prier ou pas parler à bon Dieu. Amen. C'est pas leur chanteau parler à bon Dieu. Ah. Amen. Pour parler à bon Dieu, c'est prier pour prier. Pas qu'il y a sorti de là. Donc sous chanter bon Dieu par contre besoin. Ah. Donc c'est dans la prière qu'on dresse requête tout c'est l'homme parler avec bon Dieu. Maintenant demandez-vous ou même qui fait une semaine sans prier ou fait une semaine ou pas parler à bon Dieu. Ah. Amen pour l'évangile. Donc prier c'est parler avec Dieu. Maintenant le va parler à bon Dieu qui ça bon Dieu fait Dieu est à l'écoute. Ah. Maintenant, Matthieu, tu as mon suivant avec un pile intérêt. Il y a trois bénéfices. Avant, nous avons gardé la loi. Peut-être que je quitte la loi. Il y en a dans la prétention suspendue. Il aime tourner parce que moi, je ne suis pas dans de la prière. Je ne suis pas peut-être dans le jeûne. Avant, nous garder la loi. Il y a trois grands bénéfices. Je dis trois grands bénéfices pour les gens qui prient. Combien je dis? Pour les gens qui prient. Pour celui qui prie. Le prier, attendez, le prier, bon Dieu qui a choisi répondre. C'est le premier bénéfice. Bon Dieu qui a choisi répondre, le prier. Maintenant, les bon Dieu répondent. Qui sont bénéficiés? La foi augmentée. Si moi prie bon Dieu pour micro, et puis il répond ni bon micro, si je veux expliquer à ma bien plus la foi, plus confiance pour me prier bon Dieu pour me. Ah. Amen. D'où, quand vous priez et Dieu répond, votre foi est augmentée. Ou bien plus la foi, plus assurance. Que si mes maisons proches ou l'autre bagaille que bon Dieu caban, c'est le premier bénéfice, l'augmentation de la foi. En deuxième bénéfice, le prier bon Dieu dit tant, c'est l'augmentation de la patience.
L'homme prie bon Dieu tout temps, patience ou augmenter son vertu chrétienne. Et ça calé dans temps, ça tellement calé nous, pas vle et pas c'est pas une accusation. Ça tellement calé nous, des bagailles nous fait et parce que nous pas gain patience et puis nous échouer là-dedans. Ah. Moun qui pas attendre. C'est toujours une question de discipline dans moun qui pas attendre. Haïtien pas d'accord mettez le sous ligne. Nous pas d'accord ça parce que nous pas attendre, nous pas gain patience. Ah. De fois de manger, on mange tout cru. Parce qu'il n'y a pas qu'à attendre. Ah. De fois de nek qui bat doué nek nous parce qu'il n'y a pas qu'à attendre. Nous pour femme qui bat doué femme nous parce qu'il n'y a pas qu'à attendre. Nous pour job qui bat doué job nous parce qu'il n'y a pas qu'à. Quand bon Dieu dit tonne, c'est l'augmentation de la patience. Et la patience, c'est une fruit de qualité chrétienne. Amen, amen, amen. Et qualité chrétienne. À travers de ma prêche, je me dis, font titan. En bas dans le pays, nous, ils disent, tout oppressé, pas fait. Ah, ils sont, ils comprennent pas, ils vite. Premier bénéfice, ça, c'est qui ça? Non. L'augmentation de là? Les bons dieux, oui. Maintenant, les bons dieux disent, tant, c'est l'augmentation de là, pas? On ticale patience, frères et sœurs. Et c'est peut-être m'a profité espace là pour me dire haïtien font titan. Israël était passé 430 ans en bas. Prendre en esclavage dans l'Égypte, la toute première civilisation, la première puissance d'alors, l'Égypte c'était comme États-Unis actuellement. C'est pas celle Israël qui était en esclavage là, c'est toute nation qui était séjournée en Égypte. Ça te balle 30 ans avec la gouvernance de Joseph, faut lui te connaître, y ont tant meilleur, mais ça balle 400 ans d'esclavage. Ah. Faut qu'on tente. C'est l'exacteur des samedis là. Et pour vous prier, pour demander à mon Dieu patience. Oh, parce que patience, ça faut joindre ça pour vous. Amen. Patience, ça faut joindre ça de semblant là. Amen. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, troisième bénéfice qui gagne, l'or prier. Et pas, c'est pas comme mon Dieu dit tant, c'est la patience. C'est là que mon Dieu dit non. Troisième bénéfice, ça c'est la volonté de Dieu. Et c'est notre peur. Des bagages nous pas porter dans la prière. Bah, bon Dieu, nous peur pour bon Dieu pas dire nous non. Ah. Ah, moi avant, nous comme ça, pas besoin de cacher des mais son vérité biblique. Des bagages nous pas dire bon Dieu dans la prière parce qu'il parle bon Dieu dit nous non. Amen. C'est comme relation de famille. Des bagages et petite. Pas dit papa, pas dit mamie, qui bagay, Marie, pas dit madame, madame, pas dit. Parce que nous avons non. Et nous avons problème avec non. Et tant que moun. Et spécifiquement, nous autres haïtiens, nous avons un problème avec non, N-O-N. Et chaque fois que nous dit nous non, nous prenons comme ennemi. Ah. Nous, à le quoi ou non, frères et sœurs, en vie, il y a deux chemins là-dedans. Bien, mal. Menti, vérité. Oui, non. Matin, soir. Bonjour, bonsoir. Nous, non, fait partie de la vie quotidienne. Des demandes qu'on a dressées, il faut qu'on admette qu'on a dit oui, mais il faut qu'on admette tout qu'on a dit. Et on ne questionne pas le nom de Dieu. Quand Dieu dit non, c'est pour notre bien. Parce que ou même on nous périmètre une minute, une seconde. Ah. Mais pour Dieu, ouais.
Ouais, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, et pour Dieu, wow, non, éternité. On t'a évoqué dans la discussion que tu as faite dans l'étude jeudi soir, Esaïe chapitre 37, cet homme répond au nom d'Ecclésias que bon Dieu voyait le prophète Esaïe à côté, il dit fais testament parce que tu vas mourir. Texte a dit après le message du prophète. Monsieur tourné regali vers Yumi et puis il dit mon Dieu non pas accepter la mort. Et puis il commençait à dresser les qualités de sa jeunesse. Mais j'aime payer pour des jeunes garçons, mes vertus moi, mais j'aime t'observer. Et puis pour le prophète en route, mon Dieu dit prophète Isaïe, dit monsieur, tourné à 10 monsieur mettre 14 ans sous l'âge. Amen. Amen. M'ajouter 14. Et mauvais dégât. Gain des gourmandes, hein. Maintenant 14 ans ça, monsieur perdu. Et yo, le monde qui fait théologie des rois, la petite personnage royal en dans la Bible, yo met monsieur dans la liste des mauvais rois. D'où il perdu dans 14 ans ça parce qu'il n'a pas accepté le nom de Dieu. Je connais que peut-être que vous êtes dans une grande culture, la culture américaine, ça qui prend tête tout. Le bon Dieu dit non, il n'y a pas de saleté pour vous. Et pas de boyfriend sale, d'accord. Le bon Dieu dit non, ce n'est pas job sale. Le bon Dieu dit non. Ou qu'a fait logique ou pas, d'accord, parce que c'est voulu, c'est votre volonté, c'est ça voulait. Mais pas oublier, bon Dieu t'a dit non, non, cantique. Il t'a dit non, non, message. Il t'a dit non, non, exhortation. Il t'a dit non, non, révélation. Il t'a dit non, non, songe. Voilà, ça me relève dans ma théologie personnelle les trois grands bénéfices de la prière. Que les bons dieux disent oui, notre foi est augmentée. Les bons dieux disent font si tonne, c'est patience nous qui augmente. Les bons dieux disent non, c'est la volonté de Dieu qui est dressée. Maintenant, voyons que moi t'ai expliqué que on demande, on sait s'adresser à quelqu'un pour obtenir quelque chose. Dame l'église à suivre parce que nous parlons et de comprendre ça, il y aurait la compréhension de Dieu vis-à-vis de votre demande. A remarquer dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, si vous regardez ces trois verbes, les impératifs sont autant présent indiquer une action continuelle et habituelle. Je reprends. Les impératifs sont autant présents indiquer une action continuelle et habituelle. Demander, chercher, trouver, frapper, pardonne-moi. Demander, chercher, frapper. Maintenant, l'autre bagaille, son potel dans ça, il est théologie biblique. Bible après dit que nous ne pas connaître nos vrais besoins. C'est un problème. Et ça, même les gens suivent. La Bible nous dit, tournez votre Bible pour ne pas dire frère Hans dit. On est en Hébreu chapitre. Pas Hébreu. Non, non, non. Romain. Chapitre 8. Tournez un bibou, acte des apôtres, Romains. Après les quatre évangiles, c'est acte des apôtres et puis Romains. Romains chapitre 8. On va dire faire Hans dit. Nous allons regarder les versets 26 et 27. Rejoignez-moi parce que nous avons besoin de temps pour me brûler. De même aussi, écoutez la voix de votre frère et aussi l'éclat de cet esprit à l'intérieur de ces deux versets. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. On s'arrête là pour un peu d'explication. Le texte nous dit, l'esprit
nous aide dans notre faiblesse. Donc Dieu est au courant de notre faiblesse. Ah. C'est pas moi qui dis, laisse-moi aller dans la basio. Dieu est au courant de notre. Maintenant, que fait l'esprit? L'esprit nous donne une aide dans notre. Ah. C'est l'exemple à prêcher l'évangile avec. Dieu est au courant de notre faiblesse. Maintenant, c'est ça que fait, frère et soeur. Ou pas qu'apparaître devant mon Dieu comme étant un être parfait. Ah. Ou pas qu'apparaître devant mon Dieu comme quelqu'un qui est innocent. Comme c'est des saints. Ah. Même le prédicateur qui est en face de vous. Même le pasteur qui vous pastorait, même le diaconat qui est au service de vos besoins, même le corps des ouvriers qui est en train de travailler pour le salut de votre âme, personne ne va apparaître devant parce qu'il a prêché, parce qu'il a dirigé, parce qu'il a pastoré comme si des saints. Ah. Amen pour l'évangile, ma prêcheur. Amen pour l'éternité. Amen pour bon Dieu. Dieu est au courant de notre fait. Faiblesse femme qui doit passer par l'argent. Faiblesse femme qui doit passer par fille. Faiblesse femme qui doit passer par hypocrisie. Même pour faiblesse quand? Et Dieu est au courant. Ah. Maintenant, voyons quand Dieu est au courant. Il y a dans le texte une démarche en ce qu'on pourrait appeler dans un langage théologique nématologique. Une démarche du Saint-Esprit. D'où l'agent dans le corps trinitaire, le troisième personnage que fait l'Esprit. L'Esprit nous aide. D'où une aide de l'Esprit. Et puis le reste du texte nous dit quoi? Car, conjonction. On va donner une explication de ce qui a été dit un peu plus haut. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Regardez la morphologie de cette déclaration. Ça nous dit que c'est l'ignorance parfaite de nos demandes. Des bagages wap mande, c'est pas besoin. Ah. Ah. Oh, c'est comme l'enfant à la maison et toute bagaille, ouais papy je fais ça. Alors que le projet de papy pour l'enfant n'est autre que l'école, éducation, bagaille qui est durable, bagaille qui est utile. Mais lui-même livre les sujets là, lui-même livre les machines là, lui-même livre les petits robes ça, lui-même livre les petits souliers ça, lui-même livre les petits bottes ça. Et puis ça dans tête papy c'est collège là, hein? C'est exactement notre comportement, nous mander nos folies pour nous faire mon nom. Et puis ça dans la tête, mon Dieu, c'est pour nous stabilité pour témoignage de son nom. Amen. Pour l'homme mon nom, pour qu'assemble le ciel. Pour l'homme mon nom, pour avoir espérance marquée dans la figure. Pour l'homme mon nom, pour avoir cet espoir. On a réfléchi, on a prié pendant une semaine, non, pour la prédication de ce matin. Bon Dieu dit chaque monde qui l'a au son Joseph. Amen. Ah. Amen. Amen deux fois, vous comprenez. Amen. Deux fois, une. Amen. Où son Joseph? Vous comprenez comment son Joseph? Où son nos pays, l'État pas de vouloir. Amen. Bandit pas de vouloir. Amen. Famille pas de vouloir. Amen. Zami pas de vouloir. Amen. Qu'on a bon Dieu mettons nos pays pour bien. Ah. Maladie c'est sous contrôle en bas. Ah. L'amour c'est sous contrôle en bas. Caille c'est sous contrôle en bas. Même communion, c'est sous contrôle. Même baptême. Ah. Nous c'est seul peuple qui peut travailler et puis nous avons qui travaille avec nous. Sous contrôle diaspora. Ah, c'est seul peuple qui peut travailler. Les chita dormi toute la sainte journée, mais pour être diaspora, c'est cap tekel. Et parce qu'on va dire tekel.
Et puis il prend monde travail avec elle, lui-même n'est pas de travail. Où son bénédiction sont pas connus. Où son Joseph sont pas connus. C'est bon Dieu qui fait ça. Si je peux demander bon Dieu, bagaille qui pas pitié. Dans la pensée de Dieu, dans l'économie de Dieu, dans le projet de Dieu, c'est pas une stabilité pour le témoignage de son nom. Nous ne savons pas. J'aime la sémantique. Moi, mais j'en texte la place. En premièrement, notre faiblesse est interpellée. Pour pas dire, oh, c'est chanter, me chanter bien, que mon Dieu fait ça. C'est prêcher, me prêcher bien, que mon Dieu fait ça. C'est, non, c'est belle costume, moi, de faire, mon Dieu fait ça. C'est belle femme, moi, de faire, mon Dieu fait ça. C'est diplôme, moi, de faire, mon Dieu fait ça. Votre faiblesse. Et c'est comprendre, il faut savoir comprendre le monde. Lorsqu'on est au même ou faible, on en fait soit qu'à faible. M'amène pour l'évangile, ma prochaine. Maintenant, suivre la fin du texte. Mais, le texte dit mais quoi? L'esprit lui-même. A remarqué la centralisation de la démarche de cet esprit. L'esprit lui-même. Cela veut dire quoi? Sans votre participation. L'esprit lui-même fait quoi? Intercède par des sous-prix. Gen bagay qui pas exprimer, gen bagay ou pas connait, gen bagay qui pas expliquer dans aucun langage. Gen moun qui pas comprendre nous. C'est exactement ça qui passé avec Jésus sous la croix. C'est pas tout l'air moun a comprendre nous l'ont parlé. Là Jésus criait Eli à la quatrième parole de la croix, la masabatani, et puis les ennemis de Jésus disent que mais après les Eli. Parce que je ne comprends pas le langage là. Parce que c'est un langage inexprimable. Eli, la massabata, on dit, mais après Eli. Alors que l'explication première n'est autre que mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Mais Eli n'a pas compris ça. Des gens qui vont vivre, ils ne vont pas vivre. Parce qu'ils le font pour ne pas vivre. Ils gourmet pour ne pas vivre. Ils travaillent pour ne pas vivre. Mais ils vont vivre. Parce que l'esprit lui-même aille. Problème conformant de l'homme, mais l'esprit lui-même. Maladie conformant de l'homme, déception conformant de l'homme, mais l'esprit lui-même. Maintenant, il y a un problème sérieux dans la demande. Bon, il faut que j'avais la roche, je dis amen. Les étudiants de la Bible peuvent poser cette question, pour quel groupe que l'esprit intercède? Pour pas dire frère Hens dit. Ce verset a été en discussion, j'ai dit, dans l'étude biblique avec pasteur Raymond. Verset 27, le verset suivant. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il intercède en faveur de qui? Des saints. Pas en faveur des hypocrites. Pas en faveur des bandits. L'esprit n'intercède pas en faveur des méchants. Je parle avec un pasteur Haïti qui dit que il y a un bon bandit. Tu vois. Exactement, c'est ça la réponse. Je me dis, pasteur, si il y a un bon bandit, il y a un bon Satan. Si il y a un bon bandit, il y a un bon péché. Vous imaginez, on est prêt un maman à trois timoun. Parce qu'elle a des mari, elle n'a pas joint Maria. Il coupe tête maman devant trois timoun. Après, il tue trois timoun. Il dit qu'il y a un bon bandit. C'est comme si on dit qu'il y a un bon barbecue, il y a un bon tilapli, il y a un bon iso, il y a un bon l'amour sans jour. Pas un bon bandit.
Si il y a un bon menti, il y a un bon Satan. Remarquez, le texte biblique nous dit ici, en Romains 8, 27, l'Esprit intercède pour des saints. Maintenant, c'est des saints par position. C'est des saints par position. Lors de notre appel, en Pierre chapitre 1er, les versets 15 et 16 nous dit que celui qui vous a appelé est saint. Mais vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Donc, remarquez l'état de celui qui nous a appelé. Son état est saint. Maintenant, l'exigence qu'il a fait lors de son appel, il dit, nous saints. Comment ça va le faire? Il va le faire par position. Nous sommes saints en Christ. Et c'est pour cela que l'Esprit intercède. Parce que nous ne savons pas ce que nous demandons dans notre prière. L'Esprit intercède pas pour des hypocrites, je réponds. Pas pour des méchants, mais pour des saints. Maintenant, mais ça m'a dit que demande au cas, ok. Il suffit que vous dégagez une odeur de sainteté. Il suffit que vous mettez au pas avec la parole de Dieu. Il suffit que vous consacrez la volonté de Dieu. C'est leur tuer volonté. Pas pour tuer le moi. Pour dire je suis plus moi-même. Seigneur, fais volonté dans la vie moi. Fais volonté dans la vie famille. Fais volonté dans le ministère moi. Fais volonté dans le travail moi. Fais volonté dans l'amitié moi. Fais volonté dans l'entourage moi. Volonté pour Dieu. Tout. Vous connaissez. Gagner des positions que moins avoir point qui des bagailles qui malheureux non yon excès non yon envie faire moun ouais mettez tête nous en compétition frères et sœurs bon Dieu veut nous humbles. Bon Dieu veut nous humbles. Maintenant, si, écoutez, si, premièrement, nous demandons selon nos besoins, c'est le premier bagaille. Maintenant, deuxième bagaille, là, c'est chercher. Chercher, pour définition, c'est forcer de trouver, de découvrir ou de retrouver. Ma réponse. Chercher, c'est forcer de trouver quelque chose ou de découvrir quelque chose ou de retrouver quelque chose. Sois chargé. C'est ma question. Qui sois chargé? Dans la conjugation sociale de la vie, on nous a fait croire. Certains sociologues nous disent que la vie commence par un développement personnel. Ici, c'est l'égocentrique, développement personnel. On dit développement personnel. Et ces gens d'ouvrages sont au pluriel dans les sites. C'est à notre portée, dans notre téléphone. C'est un développement personnel. Qui t'aime d'où matin, ou à prédicateur, tête d'où ça, il n'y a pas existé de développement personnel. Ou pas qu'à développer tête pourquoi. Il y a un effort personnel, mais il n'y a pas qu'à développement personnel. Suivre l'engagement, il y a un effort personnel, il n'y a pas qu'à développement personnel. C'est nos studios où aller pour quoi vivre matin. Et là où tu es payé, tu es tout. Là qui sous, son monde qui te fait. Et là où tu fais. Sous lien d'un peu là, son monde qui fait. L'école où aller à son professeur de campé devant qui dispense quoi. Et c'est que nous ne comprenons pas le monde qui est au service. Nous prenons comme des pieds bois, comme des robots. Hein? Amen pour l'évangile, ma prochaine. Hein? Amen pour mon Dieu. Et c'est que nous ne pouvons pas dire merci. C'est comme si on devait ça. Hein? Et c'est que nous brutal, même dans l'amour, même dans la vie sentimentale, nous brutal. Même dans la conjugaison maritale, nous brutal. Nous ne pas dire merci comme si fia d'où ça. Marie d'où ça. Pasteur d'où ça. Bon Dieu d'où ça. Ma vie d'où, bon Dieu pas d'où. En yé, à vol, c'est bon Dieu. Sans ou même, c'est bon Dieu. C'est là où tu es voté, mais tu es le bon Dieu. Ou le veille, joue ni bon Dieu. Ou pour aller, ou quitter le bon Dieu. Et la prêter, bon Dieu. Il faut savoir dire merci. Moi, je me gâte tête, moi, ça. On compte pour qui ça va se faire pour ce monde qui perd reproche.
Parce que moi, je suis un rail. Attends, je dis bien. Je descends pour là, je dis merci avant de me faire. Alléluia. Alors, ils m'ont fait manger, je dis merci. C'est lui qui m'a fait manger, merci. Il n'a pas son chemise pour moi, merci. Il dit, des fois, mon nom nous service tout malade. Mon nom nous service tout malade. Il dit, ah, parce que dehors, bon, faut-il bouillon pour lui. Il n'est pas capable, il est capable, non? Mais parce que dehors, il pense avoir bon, faut-il bouillon. Oh, nous pouvons bouillon, et puis. Toujours continuer à dire merci, bon Dieu, avec nous. David pas dit à Bouchil, suivez-moi. David pas dit à Bouchil, dit merci. David écrit un mémorial qui était, écrit un document qui était. David mettait Namni en sommation pour dire bon Dieu merci. Dans le livre des Psaumes chapitre 103, il dit mon âme, tout ce qui est en moi bénis son Seigneur. Et n'oublions. Et chaque fois qu'a toujours prié, bon Dieu, oui, parce que yel te font bien fait. Moi pas elle te font bien fait. Année passée, elle te font bien fait. N'oublions que l'on pas voulu décourager. La vie m'a manqué de gars. La vie comme en face où l'allons bien faire de Dieu. Et puis dit la vie, notre Dieu règne. David est taxé comme l'un des hommes les plus reconnaissants de toute la Bible. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui te couronne et qui guérit toutes. Et c'est lui qui pardonne. Ça, ça t'intéresse notre texte. Ça, toutes tes iniquités, l'abondance du péché. Les mouns jetés, les mouns du pape, réparer encore. Et puis pour Dieu, dans son amour et dans son pardon. Ah. C'est le monde qui connaît ton vie ou ton vie, monde, c'est yon te vie monde. Mais bon Dieu repare au déjà. Amen pour l'évangile. Ah, qui sont à chercher? S'efforcer de trouver quelque chose ou de découvrir quelque chose ou de retrouver quelque chose. Qui sont à chercher? 17 ans de travail par jour. Économie. La stabilité économique. La stabilité sociale. L'apparence. Ah, c'est bon d'être travaillé parce que le travail n'est pas un péché. Jésus vient sous la terre, lui-même, il travaille, il passe son travail, mais professionnel. La Bible nous dit en Marc, fils du charpentier et charpentier lui-même. Et je vous ai dit que l'histoire du Nouveau Testament nous dit que son père humain répond au nom de Joseph, était mort depuis, Jésus avait 12 ans, 12 ou 13 ans. Et Jésus, comme premier petit, Marie, c'est le travail occupé Marie. Et ça fait d'où Jésus fait plus exercice social qu'exercice spirituel. Jésus fait 17 ans à travail. Et puis, il fait 3 ans dans le ministère spirituel. Donc, travail, mais non discipline. Pour occuper maman, pour prendre soin maman. Et ça veut dire qu'il a quitté la terre, lui remettre genre responsabilité. Elle dit femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. D'où l'histoire du Nouveau Testament dit que Jean prend Marie depuis lors, et c'est nommé Jean. Marie mourit. Jean, c'est le dernier des apôtres. Jean lui-même lui mourit sur l'île de Patmos à l'âge de 90 ans. Et puis, transition en fait entre le dernier des apôtres. Et avec le père de l'église, le dernier des apôtres, la période apostolique, là, elle finit avec Jean. La période apostolique prend fin avec Jean, et puis le père de l'église se relève là. Donc, ils sont chercher. Qui sont gourmés pour joindre. Qui sont perdus pour retrouver. De chercher les trois interpellations. S'efforcer de trouver quelque chose. S'efforcer de retrouver quelque chose. S'efforcer de découvrir quelque chose. Même apprendre deux. Qui soit gourmé pour joindre. Et qui soit gourmé pour découvrir. Et qui soit passé plus de temps
qui est plus important pour vivre. Que ce soit socialement, que ce soit spirituellement. Que ce soit votre vie familiale, ou votre vie amicale, ou votre vie professionnelle, ou votre vie spirituelle. Qui est plus important? Qui soit la première place? Cherchez. Celui qui cherche, trouve. D'où gagne en quelque sorte pasteur, gagne en quelque sorte comité de l'église, gagne en quelque sorte diagonal, gagne en quelque sorte corps des ouvriers, gagne en quelque sorte technicien, gagne en quelque sorte administration de l'église, gagne en quelque sorte la jeunesse, gagne en quelque sorte monsieur et madame marié, un moyen de trouver. C'est pas moi de dire. C'est Jésus dit, cherchez et vous trouvez, gagnez possibilité pour trouver, mais qui sont chercheurs, vous voulez vous joindre. Ce n'est pas une accusation que vous avez cherché la mort. Et puis là, tu vas vous joindre. Que vous avez travaillé dans l'indiscipline, vous avez cherché la révocation. La Bible a dit, vous avez joindre. C'est lui qui cherche. Des gens qui cherchent un divorce ou tellement taquiné nègre ou tellement acquisé, bon pas dit nègre pour ne pas dire non t'as pas prier parce que son garçon ou tellement un mec défiant, tellement piétiné ou tellement jouel ou tellement. Ou bien divorce là. C'est où tu cherches? Bon ami qui t'es utile ou tellement fait mauvais bagaille pour mon amour ou parler le mal. Moi je me dis, et m'après du lien encore, en termes de reconnaissance, si ça a mis des bombes doigts d'après le maman. Ouais, maman Canada. S'il te bam douam d'après le maman. Si frère Grégoire Jean Renault, te bam douam d'après le papa. Mon cousin qui est Hollande. Mon zayo, c'est votre pays, kaye moi pendant d'Haïti. Vous voyez l'argent de la famille qui a ou bas madame moi et petit moi. Qui te kembe m'a mis dans l'enfer. L'enfer barbecue, gouvernement, dressé en bas, ISO, les voyous de la République. Les sentis de la société. Moun qui dit a fait révolution, mais c'est l'école petit toi qui a allé à l'boule. Moun qui dit a fait révolution, c'est l'hôpital petit toi qui a allé à l'boule. Moun qui dit a fait révolution, yon coupé tête pasteur, yon boule l'église. Bon, sans avé. Chaque matin, même l'autre oublié, dit bon Dieu, merci. Mais dit bon Dieu, merci parce qu'on va dans mettre en enfer. Mais dit bon Dieu, protégez moun pour qu'il y a mis en enfer en bas. Parce que là, Jésus a décrit diable là. Il dit, malheur à vous, la terre. Malheur à vous, la terre. Car le diable s'est relâché. Et quand démon en bas, brûlant sang. Les brûlants sang innocent, brûlant sang monde de bien. Les brûlants toute qualité sang. Et à le croire ou non, nous sommes dans un pays côté la mort gratis. Il n'y a pas de figure pour kidnapper, il n'y a pas de figure pour violer, il n'y a pas de figure pour maltraiter. Il y a des bandits à col qui maltraitent les familles, nous, dans la factory, dans son habit. Vieux bourgeois sales en bas font jeunes filles qui ont un diplôme dans le capé, non maquette, de 8h du matin à 8h du soir pour 15 000 gouttes. $120 américains par mois. Ils ont exploité nous. Mais au même où tu as dû regarder tête tout. Et puis dit, bon, si je peux chercher Fatra. Bon, chercher volonté, bon Dieu. Ah. Amen pour l'évangile, ma pauvre. Amen pour l'éternité. Amen pour persévérance, sous souffle. Amen pour bon Dieu. Je vais chercher. Questionner, ça va chercher. Est-ce qu'on est que, parce que moi, la vie, il y a des besoins futiles. Et ça fait moi, je ne suis pas dans la décoration. Je ne vais jamais mettre flèche sur moi. Marié comme ça. Je ne vais jamais mettre flèche sur moi. Je ne vais pas croire que je vais mettre le talent après tirer le talent. Je ne vais pas croire que je vais mettre flèche. Je ne vais pas mettre flèche d'ailleurs. Tu vas mourir ou mettre flèche sur moi, c'est quand même que je vais. Quoi dans décoration, bagaille qui l'a pour un moment, bagaille qui l'a pour un temps, même quoi dans stabilité, quoi dans bagaille qui est durable.
Je crois dans les choses que bon Dieu a planté. Je crois dans cette déclaration davidique en livre des Psaumes chapitre 23 qui nous dit Dieu dresse une table en face. Et cette table, ce n'est pas moi de potel, c'est mon Dieu de potel. Qui tout voulait, qui tout pas d'accord, c'est mon Dieu de mettre table là. Et là, mon Dieu dit, la table est servie. C'est pour moun qui te raillou, c'est pour moun qui te remet, c'est pour moun qui pas de vouloir, c'est pour moun qui t'a crasé, c'est pour moun qui t'a piétiné. Parce que Dieu dit, la table. Mon Dieu dit, table est servie pour tout le monde. Quel que soit manger ou manger à Gébou. Parce que c'est mon Dieu dit, la table. Et bon Dieu remet fait ça, mon yo piétiné, il prend, il mettait le campé comme une référence. Parce que le projet de Joseph, c'était pour chez lui. Il avait ça en tête. Et c'est pour cela qu'il allait vers son père et lui expliquer l'explication des rêves là. Même papa Joseph, qui était ballon de plusieurs couleurs, pour exprimer son amour, dit comment, moi-même d'où? Moi-même d'où? Et puis, maman tout. Et c'est là que hier, m'a dit ça. Je me dis, moi, je pense que c'est maman qui fait le boucon. Je pense que maman de quoi j'ai un garçon le fait. Je pense que maman qui a une côté le fait. Parce que c'est qualité, nous, comme garçons haïtiens. Grosse, mesdames, papa, pas pa, occupé petit là. Et c'est ça, papa, m'a fait. Et qualité nous. Abisons moun sexuellement pour un plat manger. Abisons moun parce que nous avons aidé. Abisons moun et puis dresser le comme esclave moderne. Parce que c'est ou camper sous lui comme boss. Nous dit la vie merci. En pile, tout le monde a un boss dans la vie. Amen. Amen pour l'évangile. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, mon Dieu, fort boss, tout le monde, mais qui est qui boss? Voilà. Maintenant, notre troisième démarche, c'est pas seulement chercher. Chercher pourquoi? Le texte nous dit, nous cherchons ce que nous désirons beaucoup. Nous cherchons des choses, nous voulons. Nous presser, joindre. Qui fait nous plaisir. Nous cherchons des choses, nous ouais. Et c'est exactement le problème du prophète, une grande figure biblique qui répond au nom de Samuel, lui est Eliab. Il courut mettre main sous lui. C'est comme si c'est lui qui voulait le chercher. Apparence. Tout le monde perd gros parce qu'il a cherché sexy. Tout le monde perd maigre parce qu'il a cherché monde qui est gros. Est-ce que je parle à un monde? Inquiétude de demain. Nous peur pour nous pas reculer. Nous pensé avec une autre machine pour ne pas faire bac. Pour société, nous ne pas faire bac. Nous disons machine, ça a passé mode. Nous pensé à changer de zone. Zone, ça a trop haïtien. Merci, américain. Merci, blanc français. Et ça fait nous vivre pas en communauté qui faute. Nous yon a démarqué l'autre. Nous yon a couru pour l'autre. Vous venez, l'homme après monter ici, à ma pote un bous pour servir tête, faire tête. Il y a encore mal fait tête. Il s'est vite, de vous venez, il fait tête, papa l'a fait comme. Il dit, moi, mais vous venez, vous allez. Mais si y a l'eau, la pape de un jour, il est avec. Un haïtien. Un païen. Mais nous avons couru des mondes parce que nous avons cherché. Nous avons aimé. Nous avons été sous route, nous, frères et sœurs. Qui aiment tous son monde, même à tout le monde. Au même calibre de vous-même. Nous sommes capables de même gens, mais nous dormons même gens. Même mon frère. Ou te mettre belle femme, kou belle femme, beau garçon, gondoulette, maré ou. Même sandal ou oublié maintenant, puis ou à l'hôpital. Mais non! C'est frappé!
à le quoi ou non, en frapper, nous nous frappons quand notre désir est en déception. Nous frapper, c'est là, nous dresser de mode blanc et puis ça n'a pas marché. Nous chassons, pas joindre. Et puis nous frapper, parce que nous en déception. On a frappé, c'est le principe de tâtonnement. Nous frapper toute porte. Il y a un parlé avec un ami qui était, attendez, un ami qui était dans Advance, Aristide, Haïti, qui était couverture pour président, le président passé dans une zone, qui est président chaque jour. Et puis, monsieur dit, frère Hans, mais moi-même qui sorti dans le palais présidentiel, mais moi-même qui fait 8 ans, a fait exercice après président, après préval, après Aristide chaque jour, après toute ambassade de Vinouel, après toute bourgeois de Vinouel. Mais monter ici, premier job, moi, c'est scier machine. Malgré toute formation, je prends, monsieur de monter ici, une formé pour les gens qui sont au service présidentiel. Monter à visa. Descendre en bas ou les Mercedes. Parce que les au rang de président. Li wè président chaque jour. Li wè diplomate chaque jour. Monte ici, premier job, scie machine. Nan nou gade passé avec vie présente là. Nan chercher, chercher, les jeunes nous deuxième job, ils tirent dans scie machine là, mais flite machine là en dedans. Ta machine là senti bon. Ou on ti promotion. Non, cherchez, cherchez. Et puis, il y a soir, monsieur dit, qu'on n'a qu'on côté mieux. Je vais mettre le téléphone dans la boîte. Et puis, l'autre monde vient prendre, elle met le sur le rayon. Et là, il y a qu'on y a. Mettre le téléphone dans la boîte. Mettre le téléphone dans la boîte à tout élément, li, à tout casse, li, à tout charge. Li. Et puis, warehouse. Warehouse. Elle met le téléphone dans la boîte. Ouais, deux petites promotions. Non, cherchez, non, frappez. Non, frappez. Comment frapper la vie? Je termine. Qui peut vous frapper? Dans l'église à suivre, et je termine. Et on vous attend pour la fin de notre conférence. Ce soir à 6h, pas ça? C'est bon de frapper aux portes sociales. D'où l'homme, avec le quoi, ou non, son entité sociale. C'est bon. Lorsqu'on joue un travail, il faut. Et il faut qu'on vive. C'est bon aussi de frapper dans votre porte sentimentale. Vous n'avez pas être sans garçon, non, va. Avant ma parole, avant ma parole. Maison amen, féminin pluriel. Il faut frapper. Il faut frapper pour nous faire, pour pas être. Frapper. Lorsque une jeune garçon vient une femme, nous n'avons pas le frapper pour marier, après ils ont frappé pour un petit. Amen. 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 Frapper pour petit là, on va le frapper pour éducation. On va le frapper pour son bon citoyen américain. C'est ici le fait. Aïe, aïe, aïe. Frères et sœurs, je résume et je termine. Suivez-moi, faites contact des yeux avec Cher et tendez sa prédicateur matin Abdou. Tendez. Ouais, toute porte que vous avez frappée, par intelligence, par intellectualité, par notion de science, par votre capacité intellectuelle, scientifique, professionnelle, votre esthétique, par votre belle femme, votre beau garçon, ouais, toute porte que vous avez frappée, une seule porte. Et pour frapper, lit ouvert toute porte. Amen. Ma préprend, que ça font doctrine. Gagne une seule porte. Et pour frapper, lit ouvert toute l'autre porte. Une seule porte. Et pour frapper, je dis à
adresser en cette espérance, cette assurance à l'église, à une église, à Zimineo, qui répond de l'église Philadelphie. Il dit, peut-être vous gardez parole, moi. Peut-être vous pas déposer un homme dans les poubelles de l'histoire, pas régner un homme. Moi, mettez devant une porte qui est ouverte et personne.